Chin chin. Je viens écouter la vidéo. J'ai franchement pas énormément préparé, vu qu'on m'a un petit peu coupé de cours avec la prestation de ce matin. T'inquiète pas, il n'y a personne qui prépare. Moi, je ne prépare jamais rien sur ça, Céline. Ouais, non, sinon, sinon, on repart sur le... Sur la salle. Sur la salle principale. Oui, j'ai un chat, j'en ai deux. Ah, t'en as deux même. Ouais. Et moi, j'aime bien qu'il est en train de regarder dehors. Mais bon. Donc, on a récupéré les étudiants d'Agnès Burel. Ouais, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Non, je ne sais pas. Ils sont en pause pour l'instant. Hein. Ah. Ils ont pris une pause. Oui, bah, il vaut mieux pour eux. Pourquoi ça va être difficile? Non, parce que je sais ce que c'est un étudiant à cette heure-ci. C'est compliqué l'après-midi. Tu as bien vu que la digestion était difficile. Hein. La digestion est difficile. Et puis, il faut penser à la fin de journée. Et puis, il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire après. Non, c'est très compliqué. C'est ça. Là, j'ai de nouveau chaud. On commence à 14h? Oui, on a encore 5 minutes. De toute façon, j'imagine que tu laisses les étudiants un peu en pause. Tu as une heure, je crois. À 14h. Ouais. Je ne veux jamais tenir une heure. Ouais, mais ce n'est pas grave si tu ne tiens pas une heure, on basculera sur l'autre. Oui, on ira sur un autre atelier, c'est pas grave. On rejoindra un autre atelier. Ne t'inquiète pas, Gilbert. Toujours la veille pour le lendemain, et voilà. C'est et voilà. Le mardi, ça t'intéresse, mercredi, moi, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme c'est quoi les questions? Demande les questions, je te réponds tout de suite. Hein. Ah, une question. Bah, ça c'est fait. Oui, j'étais là. Oui. Alors, numéro de téléphone. 06 73 54 39 76. C'est bon, tout le monde a le numéro de téléphone. On est content. jcosel@basman. Ah, aussi, on peut mettre la même adresse. Ouais. J'ai rendu mon pull. C'était en mars. La console, il faisait quand même vachement froid. Hein. C'était terrible. C'était horrible. Hein. Ouais, il faisait froid dans ton lycée, Agnès. Il faisait horriblement froid. Non, mais c'est un truc de fou. C'est glacé. Et tu sais, l'éducation nationale a arrêté le chauffage. T'as oublié qu'on chauffait après les vacances d'octobre. C'est vrai. Et pas après les vacances de février. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est fini maintenant. On ne chauffe plus après les vacances de février. Ils coupent les chauffages. C'est ça. Ouais, je me souviens. Ouais. 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 Attends. Parce que là, c'est le jeune homme, je l'ai vu ce matin. C'est à Pédinet. Walou, rien de tout ça. C'est à Pédinet. Rien. C'est professionnel.
Ah, mais moi, c'est la boîte qui payait. Bon. Les jeunes. Allez, on y va. Ah, c'est là ? Oui. Ah, ben voilà. Ouais, là, non, là, c'est le groupe 1 qui est là. C'est un bel groupe. Là, vous êtes tous. Alors, allez-y, en fait. Vous avez le programme machin, et à l'issue, espacez-vous, ne restez pas groupés. Non, c'est quoi votre prénom? Oui, la bassine. Devant, s'il vous plaît. Charles, votre masque. Lévi, vous comprenez le chinois, je pense. Fabrice. Les formateurs, les aider, où est-ce que c'est, etc. Le moyen de travailler, le soutien du budget. Alors, je vous propose de commencer tout doucement, si vous êtes tous là. Alors, la vidéo, comment dire, elle a commencé sur Internet en 90. Prenez des. Je crois que Gilbert, je crois que c'est Cozel qui parle en même temps. Je crois que tu peux couper son son, en fait. Non, j'avais envie de savoir cette date. Parce que sinon, en fait, on va connaître toute cette. Je crois que j'appelle le soir à 22h, donc il y a la Guadeloupe. Ils vont attendre qu'elle finisse de travailler. On va l'appeler. Ça n'a jamais répondu. Et hier soir, elle m'envoie ça, pensant qu'elle envoie ça. Ouais, normalement, tu dois pouvoir couper son son. Tu cliques sur les trois petits points bleus. Ah non, c'est pas toi qui. Elle a envoyé un devis de Manuel. C'est Loïc. Ouais, faut demander à Loïc, ouais, effectivement, qui coupe le son, sinon c'est vrai. Ouais, ouais. Ah ouais, on va la voir là. Alors attends, mais Loïc, le problème, c'est qu'il ne va pas nous écouter. Je vais y retourner, je vais y aller, Eve. Je vais y aller, je vais lui signifier. Ouais, tu lui dis qu'il coupe le son parce que là, sinon, ça va être la cata. Ok, j'y vais. C'est pas la seule qu'ils ont vendue depuis ça. Johan, je lui envoie un petit message. Voilà. Maintenant, tout le monde connaît son numéro de téléphone. Oh, ça peut être intéressant. Hein. Son mail. La banque de prêt pour sa colle et tout. À côté de ça, tu as des mecs qui font ça et ça passe. Comme une lettre à la poste. On va quand même peut-être caler. Bon, tout le monde est là. Ah, voilà, il a coupé le son. Alors, la vidéo sur Internet, ça a commencé de souvenir hein, à peu près en 97. Hein. À l'époque, je faisais de la vidéo, je ne faisais pas de la vidéo, je faisais plutôt de la politique d'ailleurs. Et je travaillais beaucoup avec les élus de l'Assemblée nationale, avec le Sénat, avec divers élus que je souhaitais mettre ensemble avec la population, un petit peu la problématique que les élus ont aujourd'hui. C'est-à-dire pouvoir discuter et échanger avec la population. Donc moi, j'ai découvert la vidéo à ce moment-là et je me rappelle d'un discours de Lionel Jospin quand il a ouvert son site Internet. Ça avait la taille d'un timbre-poste. Alors, du coup, je ne me suis pas du tout aventuré là-dedans au début. Et c'est seulement en 2015-2016 que je me suis aventuré dans la vidéo sur Internet, parce que ça m'intéressait, parce qu'on m'a demandé de reprendre une web radio. Et une web radio, c'est que de la radio, c'est que du MP3.
Et donc, j'avais beaucoup de mal à construire un marketing pour l'amener sur les réseaux sociaux. Parce que moi, sur, avec une petite web radio locale, l'amener à la population, là en l'occurrence, c'était à Lunel. C'est une petite ville de 20 000 habitants à peu près. L'amener à Lunel comme ça, avec que de la radio et peut-être éventuellement des photos, pas facile d'attirer du public. Et la solution que j'ai trouvée, c'est au moment où sortait Facebook Live, avant le Facebook Live, j'avais à peu près une centaine d'auditeurs par émission. Alors, c'est rien du tout, hein. Pas de quoi faire une web radio. Et après, sorti Facebook Live, et on a tourné la même émission avec le smartphone en Facebook Live, et on est passé tout de suite à 10 000 participants, enfin 10 000 spectateurs. Alors bon, c'était du divertissement, hein. c'était pas du corporate, loin de là. Et là, je me suis dit, bon, la vidéo, visiblement, il y a quelque chose à faire avec. Et moi, j'avais plutôt tendance à aller vers le direct. Le direct, ça a l'avantage, c'est tout est cash. Tout ce que vous pouvez y faire est authentique, direct. Et ceux qui veulent participer dans un live, comme ici, hein, comme sur un Zoom, ils peuvent y participer. Et à partir de là, je me suis dit, bon, pour les entreprises, il doit y avoir aussi quelque chose à faire là-dedans. Alors, il y avait la captation de conférences, un petit peu comme je l'ai fait ce matin. Mais ça allait toujours dans un seul sens, c'est-à-dire on captait l'événement et puis on le diffusait. Et il manquait cette interaction. Et cette interaction, va falloir trouver des solutions. Et à travers, à travers le live, sur les réseaux sociaux, on peut le faire. Mais comment on peut le faire dans un environnement un peu plus corporate? Et finalement, avec cette crise sanitaire à laquelle on a survécu, tout l'audiovisuel s'est mis en branle. C'est-à-dire qu'avant, l'audiovisuel, c'était on capte les images, on fait du montage, on fait de la post-prod, et puis hop, on balance au client, soit pour ses besoins propres, soit pour son site internet, pour ses réseaux sociaux, etc. Donc, il y avait beaucoup de post-production, mais de façon très lissée. C'est-à-dire, on lissait les messages de l'entreprise. Et là, avec la façon hybride de le faire, comme on l'a fait ce matin, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que là, on a l'interaction. On a l'interaction, je peux avoir l'interaction là avec la salle, avec les étudiants. Je peux avoir l'interaction avec les autres personnes. Et ça, la vidéo, elle le permet. C'est-à-dire, elle sait, le message que je vais passer en vidéo là maintenant, il est direct. Vous me voyez, vous savez me juger parce que physiquement, je ne suis pas caché derrière un masque, comme d'habitude. Mais c'est du direct. C'est-à-dire, vous voyez mes actions, vous voyez mon langage corporel. Vous entendez probablement mon chat gratter dans sa caisse. Mais tout ça... vous pouvez le faire en vidéo. Est-ce que la vidéo, enfin ce qu'on a beaucoup oublié encore aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de populations, je pense notamment aux jeunes, ils vont regarder la vidéo là-dessus. Et ça, moi, j'y croyais pas du tout au départ, quand je me suis lancé, enfin avant que je me lance dans la vidéo, mais au début d'Internet, moi, le smartphone, j'y croyais pas. Et surtout pas au niveau vidéo. Quand je regarde aujourd'hui des vidéos sur mon smartphone, eh ben c'est la même chose que ce que j'ai sur l'ordinateur. Ce n'est pas tout à fait la même qualité que ce que je peux avoir sur mon téléviseur, mais globalement, on a quand même la même chose. Et après le premier confinement, j'ai quand même voulu comprendre comment fonctionne la vidéo chez les professionnels à la télévision. À la télévision ou dans les grosses agences de prod ou dans une régie, on va se retrouver non pas à une personne, mais à 10, 10 facile. Enfin, dans le cas régie dans lequel je me trouvais, c'était une dizaine de personnes. Et là, on travaille avec un matériel quand même très, très lourd. Alors, comment on peut faire pour travailler avec un matériel très lourd et faire la même chose avec son smartphone?
Alors, ce smartphone, putain, excusez-moi le langage un peu cash, le smartphone, il est vachement efficace parce que ça pèse une centaine de grammes, ça tient dans la poche et je peux filmer, y compris en direct, de n'importe où. Et les jeunes, je crois qu'ils l'ont parfaitement compris à travers les selfies, mais pas seulement, je trouve que ça, c'est un petit peu trop léger, mais à travers les réseaux sociaux, eux, ils sont habitués à ce smartphone. Ils se filment avec, ils font des films avec, on peut filmer avec. Claude Lelouch, je crois que c'est après le décès de Johnny Hallyday, à la télé, on le voyait de temps en temps, a filmé ses films, ses documentaires ou ses divers films, il est filmé avec son smartphone. Mais le smartphone, il a quelques défauts. Ça bouge énormément. Quand vous filmez avec votre smartphone, je suis désolé, ça bouge tout le temps. Donc, on revient quelque part, en marche arrière, on commence au smartphone, y compris les jeunes, on commence au smartphone et après, on trouve des installations un peu plus consolidées. Consolidées, ça veut dire on va prendre des trépieds, on va prendre des lumières, un petit peu comme dans la régie de Loïc. Vous voyez, il y a ces multiples écrans, il y a ces multiples claviers, et puis les micros, enfin tout cet attirail, y compris ce que moi j'avais aujourd'hui dans l'amphi, tout ce matériel, ça pèse une tonne, mais ça permet de faire une qualité d'image qui est regardable. C'est-à-dire que quand vous devez regarder un petit truc sur Snapchat ou TikTok ou Instagram, bon, c'est relativement court. Et en général, vous le regardez sur votre smartphone. Mais quand vous avez des conférences ou des trucs un peu plus longs, là, vous avez tout de suite une autre problématique que le smartphone ne va pas pouvoir vous donner. C'est la stabilité de l'image. C'est les changements d'image. Bon, là, ce matin, c'était avec une seule caméra. J'avais une seule caméra qui était prête. Mais normalement, on travaille avec 3 ou 4 caméras. Et ces caméras-là, elles sont robotisées. Du coup, on arrive à faire, comme à la télévision, exactement de la même manière, mais d'une façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai été voir un fournisseur avec lequel je pense que je vais travailler. Lui, il m'a fait sa démo avec 2 valises. C'est-à-dire, il est venu avec ses 2 valises à roulettes, des légères, hein, des trucs qui rentrent dans l'avion. Hein. Il est venu avec ses 3 valises à roulettes, il avait 3 caméras dedans, sa régie, tout était dedans. Et on a pu faire, bon, on n'a pas fait, mais on aurait pu faire toute une émission avec ça. Et normalement, ce matériel-là, c'est ce qu'on a besoin sur des événements comme celui-là de Loïc de ce matin. Alors la vidéo, il y a l'aspect technique, bien sûr, la lumière, le son. Bon, là, je suis sur l'ordinateur de ma chère et tendre, mais vous avez donc tout cet équipement, y compris quand vous êtes chez vous, un petit peu comme Eve, j'imagine, vous avez de la lumière spécifique. Vous avez les oreillettes comme la Fabrice. Enfin, vous avez tout un arsenal avec lesquels on peut démarrer. Mais après, ce qui est important, c'est de construire toute la communication et toutes les vidéos qui doivent s'adapter non pas à ce que vous aimez, à ce que vous considérez comme une belle vidéo, mais à ce que vos clients, c'est vos futurs clients ou vos prospects, ce qu'eux, ils aiment regarder. Et là, vous avez des tranches d'âge. C'est-à-dire une courte vidéo, on va faire quelques changements de plan, mais sur une personne plus âgée, telle que moi, bon, je suis un petit peu, enfin, je ne suis pas aussi vieux que Loïc, mais pas loin, mais une personne âgée ou plus âgée ne va pas regarder de la même manière la vidéo. Et tout ça, ça dépend également des différents réseaux sociaux ou des plateformes sur lesquelles vous l'envoyez.
Donc, c'est assez complexe. Il ne faut pas y aller avec des, comment dire, avec des préjugés. Oui, quelque part, c'est des préjugés. J'ai eu le cas sur une campagne électorale. Tantôt, je travaille aussi pour les candidats. Et on était à deux professionnels à travailler là-dessus. L'un faisait du... Il sortait de la vidéo en rap. Il y a les rappeurs, ils font beaucoup de changements de plan. Mais ce qu'un élu ne fait pas forcément. Un élu, il a plus tendance à faire du plan-plan. Il faut que ça soit vu, évidemment. Mais c'est surtout son message électoral qui doit passer. Et donc, on avait la confrontation entre le producteur de rap et moi-même. On avait cette confrontation entre une image stable, tranquille, pour les électeurs du candidat, et l'image saccadée, parce que moi j'appelle saccadée, hein, saccadée de multiples plans, très courts, même pas une seconde souvent, hein, très court, qui était envoyé à un autre type d'électeur, alors que le message est identique. C'est le même texte, les mêmes candidats, mais présenté d'une façon différente. Or, dans la communication électorale, on sait très bien que les jeunes ne vont pas forcément voter. Même si le message du rappeur s'adressait plutôt aux jeunes, enfin je pense plutôt aux jeunes, alors que le candidat était âgé et il visait un électorat d'âgés, enfin des personnes plus âgées, où on est sûr qu'il allait voter. Et dans le commercial, la chose est la même, c'est-à-dire qu'on peut faire du combini, on peut faire des vidéos comme combini, où on peut faire des vidéos comme brut, où on s'appuie sur des exemples qu'on peut voir sur YouTube, qu'on aime bien. Du coup, on produit pas ce qu'on aime. Comment on va dire ça ? On ne produit pas quelque chose d'authentique. Authentique par rapport à votre produit, par rapport à votre personnalité et par rapport au réceptionnaire de la vidéo, de celui qui va regarder. Et je crois que l'erreur, elle est souvent là. On fait des vidéos qui nous plaisent, mais ce n'est pas nous qui doivent plaire, c'est à celui qui va les regarder. Et les messages qu'on essaye de communiquer dans notre vidéo qui nous plaît bien, il ne sera peut-être pas forcément bien adressé à la population à laquelle on va l'envoyer. Alors, je vous ai donné l'exemple électoral, mais ça fonctionne aussi pour les produits commerciaux. On ne peut pas vendre un produit qui va coûter, je ne sais pas, peut-être 20 000 euros, de la même manière qu'un eyeliner sur Instagram ou ailleurs par une influenceuse. Je ne parle pas de toi, Eve, hein, mais c'est juste pour donner l'exemple, pour l'exemple, comment dire, cras. Extrême de ce qu'on peut faire en vidéo. Et je pense qu'il est vraiment important de bien vérifier que le message qu'on envoie est bien celui qui va donner une crédibilité au produit, une crédibilité à sa personne, et ensuite pour que ça fonctionne bien, quoi. Mais pas pour nous faire plaisir à nous. C'est ça vraiment l'important. Donc voilà, j'en ai un petit peu fini. Alors je vous avoue et je m'en excuse, j'ai mal préparé mon truc, j'étais un petit peu pris de court avec ce matin. Mais globalement, la vidéo, il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut y aller, il faut tester. Comme disait également Eve, je crois, ce matin dans son intervention, il y a toujours des gens qui vous aiment pas, ça c'est normal, et tant mieux, mais il y a aussi des gens qui vont vous aimer, qui vont vous écouter, qui vont éventuellement commenter, qui vont éventuellement échanger, et à partir de là vous aurez déjà gagné quand même pas mal de choses.
Alors, en opposition de ça, ce que moi j'aime particulièrement, c'est le live. Parce que le live, il permet vraiment cette interaction. Que ce soit maintenant dans un Zoom, comme là maintenant, que ce soit dans un live sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, etc. Vous avez partout de l'interaction. Et c'est cette interaction qu'il faut cultiver. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire, les personnes qui sont dans la salle, quelles sont vos questions à vous ? Fabrice, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ou Hélène, ou Johan encore, quels sont vos avis ou vos perceptions de la vidéo ? Donc là, j'ai vraiment très envie d'avoir un petit peu votre ressenti de la vidéo. Fabrice, peut-être ? Vous voulez... Voilà, j'ai un avis, mais je voudrais bien que les autres interviennent tout de même. J'ai un avis là-dessus, mais je préférerais, enfin, je sais pas. Il y a des jeunes, non, qui sont là ? Oui, il me semble que je vois des jeunes, ouais. Ouais, laissons la parole aux jeunes, allez. Agnès ? Oui. Axel, je vous écoute, votre réaction par rapport à ça ? Sur la vidéo ? Oui. Bah, parlez plus fort, s'il vous plaît. Enfin, nous, notre rapport à la vidéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bah, c'est plus pour nous divertir. Enfin, on regarde plus les vidéos sur nos téléphones que, par exemple, la télé ou pas comme avant. Alors, la question, vous êtes que consommateur ou est-ce que dans vos futures activités, est-ce que vous en êtes conscient que la vidéo, elle aura un impact certain et que vous serez aussi bien amené d'être derrière la caméra que devant la caméra? Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Oui, mais pour ma part, moi, je suis plus consommateur parce que je ne fais pas forcément de vidéos, que ce soit sur les réseaux ou autres. Du coup, ouais, non, j'en regarde juste, mais je n'en fais pas personnellement. Et à l'occasion de vos différents stages, est-ce que vous avez été amené ou est-ce que vous avez pensé à utiliser la vidéo comme outil supplémentaire de communication pour l'entreprise dans laquelle vous étiez en stage? Pas forcément des vidéos, mais plutôt des photos. Des photos, plutôt. Oui. J'ai fait des photos de produits, par exemple. Des photos de produits? Mmh. Et pourquoi pas des vidéos? Qu'est-ce qui vous a empêché? Est-ce que vous n'y avez pas pensé ou est-ce que c'était... Bah, c'était juste en fait, moi pour ma part, ce qui m'a dit, c'était juste faire des photos produits et après détailler ce que c'était dans la description. On n'a pas demandé des vidéos parce que c'est pas ce qu'on m'a demandé. Okay. Mais je pense que dans les entreprises, dans les entreprises ou institutions ou associations, enfin peu importe là où vous travaillerez, que ce soit comme salarié ou indépendant, vous serez fatalement confronté. En fait, le Covid nous a tous forcés à utiliser des solutions comme des visioconférences. Et moi, j'ai vu franchement l'impact derrière. Les gens ont aujourd'hui plus tendance à pouvoir échanger en vidéo, en direct, donc à travers des visioconférences ou sur d'autres supports, pour justement limiter leur déplacement, de gagner du temps, on l'a encore vu ce matin, de gagner du temps, ne pas devoir se déplacer, d'intervenir dans une conférence et de repartir. Je prends le cas de Dominique Sault, je crois qu'il est à Toulouse, si je m'abuse. Dominique, il devait intervenir, je crois, d'abord initialement sur place, et au final, bon, il n'a pas pu se libérer pour une raison quelconque que je ne connais pas personnellement. Mais du coup, à travers cette visioconférence et à travers ces interactions, cette façon hybride de travailler, il a quand même pu vous échanger avec vous. Et je pense que c'est vraiment important de c'est ce que vous aurez, je pense, tout au long de votre carrière. Vous aurez tout le temps ces échanges-là. Et donc, il va falloir, quelque part, construire votre image, la vôtre personnellement, mais aussi celle de votre entreprise, autour de la vidéo. C'est-à-dire que, grosso modo, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche ? Bon, une photo, de temps en temps, ça va. Mais c'est quand même la vidéo qui sera
Alors, il y a bien sûr la notion entre vu et regarder, il y a cette notion-là. Mais les gens auront plus tendance à vouloir cliquer tout bêtement sur le lien jouer la vidéo que regarder une image qu'on va faire défiler en fait sur le réseau en haute vitesse parfois. Et ça sera plus cette image-là, y compris quand il y a un direct, qui sera perçu. Alors, soit ça accroche, soit ça accroche pas, on est bien d'accord. Mais vous serez amené à être devant la caméra. Et ça nécessite tout un processus. Pour donner une petite indication, bon, je suis photographe de métier, mais je n'ai jamais fait de la photographie en pratique. Je l'ai fait pendant 2-3 ans, je crois, juste après mes études. Après, je suis rentré à l'armée, après, j'ai fait de la météorologie, de l'informatique. Et après, je suis arrivé sur Internet, où j'ai découvert toute la ribambelle d'Internet, de marketing, publicité. Mais est arrivé à un certain moment où il fallait de nouveau retrouver l'image. Quand j'ai repris cette web radio, il fallait. C'est mon tort que j'ai eu à l'époque. Je me suis d'abord intéressé à la réalisation et j'ai mis un animateur devant la caméra, qui était très bien pour ce qu'il faisait, attention. Mais pour vendre la solution web TV ou la solution de captation en direct, il faut passer devant la caméra, il faut tenir les micros. Ce matin, vous avez vu que je dis bien relativement à l'aise à tenir un micro, y compris devant la caméra. Mais entre ce matin et mes débuts, mes premières vidéos que j'ai tournées en 2017, où j'ai fait parfois 50 reprises, parce que je n'étais pas satisfait, parce que le son n'était pas bon, parce que j'ai bafouillé, parce que j'ai raté un mot, j'ai oublié un mot, ou tout ça, il y a un cheminement. Et il vaut mieux que vous le preniez dès maintenant, accepter à parler en vidéo, même avec j'imagine que vous discutez entre vous et vos amis, vous discutez des fois sur WhatsApp ou Telegram ou Facebook, vous discutez à travers la vidéo. Ben, quelque part c'est aussi par là que ça se passe, c'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer avec ce téléphone, pardon, je l'ai mis à l'envers, et de regarder votre image, et de soigner du coup votre image. Alors peut-être pas entre vos copains, hein, je dis pas qu'il faut aseptiser ça, mais ça vous donnera une habitude, d'un, de prendre soin de votre téléphone, parce que là, vous mettez le doigt dessus, c'est pourri, le début de votre activité en réseau social, je pense en LinkedIn notamment, hein, c'est aussi peut-être ça, de créer votre image à travers la vidéo pour que les gens qui, eux, vont peut-être tomber sur votre profil vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Alors bon, évidemment, il ne faut pas raconter des bêtises, mais si vous le faites bien, si vous donnez un petit peu de soin à votre apparence, à vos mots, et à ce que au contexte dans lequel vous placez, là vous créez une véritable personnalité sur les réseaux sociaux à travers les vidéos. Ce qui veut dire que, par exemple, travailler son profil LinkedIn en mettant une vidéo de présentation peut être plus pertinent que simplement une photo et un descriptif. Non, c'est complémentaire. D'accord. Okay. Alors c'est possible, hein, par contre. Hein. On peut remplacer sa photo par oui. une présentation vidéo sur LinkedIn. De même oui. que, pardon Gilbert, juste 2 secondes, il y a une fonctionnalité qui existe maintenant depuis 1 mois qui s'appelle le mode créateur. Vous allez voir sous votre profil, vous avez mode créateur, vous pouvez l'activer. Oui. Alors le mode créateur, bah, justement, c'est ce dont parlait Gilbert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être spectateur, mais il faut être acteur. Donc le mode créateur, ça va vous permettre non seulement, en fait, par exemple, de faire une newsletter, si vous voulez communiquer sur une newsletter sur votre entreprise ou sur ce que vous faites de manière hebdomadaire, etc. Mais en plus, vous allez voir apparaître une fonctionnalité qui s'appelle LinkedIn Live.
Donc, la possibilité, comme Loïc le fait, c'est-à-dire qu'au lieu de voir votre bannière, c'est-à-dire, vous savez, votre fond d'écran derrière votre photo de profil, on pourrait, en parcourant votre profil, voir que vous êtes en train, en fait, de diffuser du live. Et une dernière chose, il faut savoir que la messagerie privée que vous avez sur LinkedIn, donc le fameux MP ou le DM, comme on dit, vous permet aussi maintenant de faire des interactions en one-to-one, c'est-à-dire en face-à-face, si je peux me permettre, en vidéo. Donc, ça veut dire que LinkedIn pousse fortement sur l'usage de la vidéo, eu égard à tout ce qu'a dit Gilbert, les déplacements, le coût de l'essence, etc., où maintenant, en fait, les rendez-vous vont pouvoir se faire en visio. Donc, comme disait Gilbert, prenez le train maintenant, quoi. Tout est fait pour que, en fait, vous puissiez privilégier la vidéo pour les interactions avec vos prospects ou vos clients, présents ou futurs. Ouais. Alors c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Fabrice. Oui, Fabrice, pardon. Moi, j'ai vécu ça au début de l'Internet. C'était en 96, il y avait 400 000, 500 000 utilisateurs sur Internet. Et j'ai voulu me lancer dans la politique. Enfin, j'ai créé un site Internet sur la politique, généraliste. Hein. Et les gens m'ont dit, mais t'es dingue, tu vas générer 300 visiteurs ou un truc comme ça. À l'époque, on vivait de la publicité. Eh bien non, j'ai fait quelques coups médiatiques que j'ai réussi, notamment avec l'affaire Bill Clinton, qui m'ont permis d'asseoir ma crédibilité en termes de site Internet dans le domaine de la politique. Et ce qui manquait franchement à l'époque, ben c'était ça, c'était la vidéo. Là, j'aurais pu discuter. À l'époque, j'échangeais avec le président de l'Assemblée nationale, avec comment ça s'appelle, avec M. Glavany. J'ai aussi discuté avec d'autres, avec François Fillon. Mais j'avais aussi des échanges avec le webmaster du Premier ministre et celui de l'Élysée. Donc, tous ces échanges-là, putain, si on avait pu les faire en vidéo, là, ça aurait pu, d'un, rendre l'homme politique peut-être un peu plus vivant, un peu plus chaleureux, autre chose que ce qu'on peut voir à la télé. Hein. Mais ça aurait pu. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais tout ce cheminement m'a permis de construire mes différents projets, de travailler, et quand on regarde mon profil LinkedIn, il est assez long, de travailler tous ces projets en cohérence. C'est-à-dire que mes premières, je prends ma chaîne YouTube, mes premières vidéos, elles étaient pourraves. Bon, j'en ai encore des pourraves, hein, mais peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est le message qui est à l'intérieur. Et les messages à l'intérieur, c'est de dire, OK, vous êtes aujourd'hui, vous débutez en vidéo, vous allez bafouiller, vous allez rater votre message, vous n'allez pas être beau, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme défaut. Que vous vous considérez comme des défauts, mais que le spectateur ne va peut-être pas forcément, il va pas être aussi brut de décoffrage en termes de jugement. C'est-à-dire que vous devez ignorer votre propre jugement et plutôt faire confiance au jugement de vos amis ou de vos connaissances qui vont vous dire, bah écoute, tu peux peut-être améliorer ça dans une prochaine vidéo, ou essaye peut-être d'utiliser un prompteur, ou essaye de mettre un peu plus de lumière. Mais c'est un cheminement. Et ce cheminement, il se fait à travers les réseaux sociaux. Moi, je n'ai aucune honte de mes anciennes vidéos. Elles existent. Il y en a certaines qui ont très bien marché, notamment celles où je parle du microphone main qu'on a eu quand même un petit peu en problème ce matin. Ces petits détails font que vous avez du contenu. Et si vous restez mauvais tout le temps, c'est pas bon. Mais ce cheminement, cette progression, vous verrez qu'elle va asseoir votre crédibilité. Aujourd'hui, quand je parle de Web TV, quand j'essaye de vendre un studio Web TV à une entreprise, j'ai beaucoup plus de crédibilité que si je l'avais fait il y a 3 ans ou 4. Parce que j'avais certes l'expérience d'une, mais je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai pu avoir en travaillant dans une agence de production qui travaille pour la télévision, en travaillant dans les studios de TV, pour voir comment les autres, ils bossent. Comment les grands studios de télévision bossent.
Et est-ce que je peux le faire moi-même, avec mon ordinateur, avec mon smartphone, peut-être pas avec mon smartphone, mais est-ce que je peux, comment je peux le faire moi-même sans me poser la question, est-ce qu'il faut que je dépense 1 million d'euros pour du matériel audiovisuel ou est-ce que je peux me le faire avec 2 000 ? Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous avez votre studio en main. Votre vidéo, vous pouvez la créer avec ça. Après, vous pouvez le faire évoluer. Mais ça, c'est à vous de le construire. Et à travers les réseaux sociaux, ben, vous y arrivez. Est-ce que vous avez d'autres questions dans ce sujet qui est certes centralisé sur la vidéo, mais qui au final va aussi englober... Oui, Gilbert, j'ai une question pour vous. Vas-y, Hélène. En fait, je voudrais savoir si le profil, tu as parlé tout à l'heure du profil créateur sur LinkedIn. Oui, c'était Fabrice qui en a parlé. Oui, c'est ça. Pardon, autant pour moi. Mais donc, je l'avais activé parce que je trouvais que c'était, que ça correspondait à ce que je voulais diffuser. Mais est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec l'algorithme de LinkedIn de social selling, donc ton SSI, qui nécessite là pour le coup de pouvoir se connecter aux gens et de montrer qu'on se connecte aux gens. C'est un des critères. Non, alors je veux dire parce que je vois très bien ce que tu veux dire. Moi ce qui, toi, j'avais pour le studio pour lequel j'ai travaillé, j'avais demandé l'autorisation de faire des diffusions en direct sur LinkedIn. Et à l'époque, je n'avais pas encore le profil créateur. J'avais un SSI qui est remarquablement élevé. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi. je dois être tourné, je crois. Je suis dans les 1 ou 3% premiers sur les gens qui bossent sur Internet. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et le fait que j'ai activé le mode créateur n'a changé strictement rien. Sauf que, du coup, je peux faire mon live, je peux faire ma newsletter, je peux faire un paquet de choses que je ne pouvais pas faire avant. Et en termes d'algorithme, franchement, ça ne m'a pas changé non plus. D'accord. OK. Si tu veux, moi, je pense que les gens qui vous disent que l'algorithme... c'est l'indispensable. Oui, peut-être, mais j'en suis pas convaincu. Je pense que l'indispensable, c'est être. Si vous postez régulièrement et que vous créez régulièrement du contenu et qu'il est lu, qu'il est partagé, commenté, liké, ce qu'on veut, et que les gens vous identifient par rapport à ça, que les gens vont également vous croire de plus en plus. À partir de là, l'algorithme... Du moment que tu as une image claire et forte, voilà. Après, tu t'en fiches un peu de l'algorithme parce que... Exactement. Voilà, tu as les ventes ou tu as l'influence que tu souhaites avoir ou apporter. Ouais, ouais. J'ai eu des discussions avec François Abbe là-dessus parce qu'il trouvait que quand je postais à 5 h du mat un dimanche, ça n'avait aucune portée. Alors, c'est vrai. Il a tout à fait raison. Je crois que sur le moment, il n'y a personne qui l'a lu. Mais ça m'a permis de poster. Je me suis exprimé sur un de mes sujets, mais sans tenir compte de l'algorithme. Et franchement, j'aime pas en tenir compte. Je préfère l'action et l'interaction humaine en fonction de ce que j'ai envie de produire au moment où j'ai envie de le produire et que je peux le produire. Que d'attendre le mardi après-midi pour poster quelque chose. Pour donner l'exemple, hein, c'est peut-être pas le bon d'ailleurs. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pas l'algorithme qui doit me commander, c'est moi qui me commande, si je puis dire. Et il faut faire avec. Si vous aimez pas lire mes posts le dimanche à 5 h du mat, ben, tant pis pour vous.
Mais c'est pas l'algorithme de me commander. Je suis un humain. Je suis né dans les années 60. Bon, je suis un peu moins vieux que Loïc, mais quand même. Et je crois que c'est important de rester quelque part humain. Et quand tu regardes bien toutes les discussions que nous avons dans les différents forums, que ce soit ceux de Loïc, mais aussi dans d'autres, c'est l'authenticité, l'humain qu'on cherche. Et ça, l'algorithme, désolé, mais il ne peut pas. Heureusement. Oui. Il ne peut pas te retirer ou genre, la valeur ajoutée que tu as, voilà. C'est à toi de l'apporter, quoi. Voilà, exactement. Alors, si tu veux, il y a effectivement mes vidéos, mes lives, mes posts n'ont peut-être pas une portée sur mes 3 ou 4 000 personnes qui me suivent. Mais bon, c'est quand même lu, c'est quand même vu. C'est vu que quand je fais un post, il est vu quelque part. Ça me suffit amplement. Ça me génère de contacts, mine de rien, même si des gens ne commentent pas forcément. Donc c'est, il faut prendre un tout petit peu de recul devant la systématique recherche du like, du commentaire et du partage. Je crois qu'il faut être visible, évidemment, hein, pour générer du contact et puis des affaires. Tout n'est pas dans l'algo. Tout n'est pas dans l'algo. Il faut une consistance dans son profil et dans ce qu'on poste. J'ai une autre question pour toi. Tu sais bien que la vidéo consomme plus en termes de ressources, quelle qu'elle soit, en temps, oui. Carbone, bilan carbone et tout ce que tu veux, serveur pour mettre nos vidéos, les maintenir, etc. Oui, voilà, c'est ça. Tu prônes la vidéo. J'utilise la vidéo. Hein, d'accord. Donc, je ne suis pas contre la vidéo, Gilbert. Je veux pas, c'est oui, pas mon propos. Mais... c'est juste que je limite. Je fais un choix dans les vidéos. Comment tu gères ça maintenant par rapport à des considérations responsabilités sociétales des entreprises ou des organisations, à des considérations environnementales que les gens ont à titre privé, mais qui transparaissent aussi dans les entreprises, hein, ouais. Clairement. Oui, oui. Comment tu fais avec ça ? Moralement parlant ? Pas que moralement, mais techniquement parlant aussi. Est-ce que tu fais des choix toi-même ou... Alors oui, je poste pas non plus à outrance, mais comment te dire, moi d'un côté je fais gagner, je suis incapable de le calculer, hein, je permets à travers la vidéo digitale des interactions qu'habituellement on aurait peut-être par téléphone ou par déplacement. Donc, quelque part, j'économise un petit peu à ce niveau-là. Alors, je suis d'accord avec toi. La vidéo, vu qu'elle est stockée aux États-Unis, enfin, je pense en bonne partie, même si Google et les autres savent mettre en place des moyens d'économiser, ça consomme, c'est un fait. Après, à mon niveau, je ne suis pas capable de lutter contre cette consommation énergivore qu'est l'Internet. Même pas dans tes choix de plateforme plutôt que d'autres, parce que maintenant, on a des comparateurs des plateformes en termes d'énergie. Hein. Je pense à Green Spector. Est-ce que tu ne fais pas des choix quelque part au-delà des algorithmes qui te permettent de plus ou moins. Non, je comment te dire, quand tu es indépendant, tu fais des choix qui te permettent de le faire économiquement parlant. Moi, j'ai plusieurs contraintes. Hein. J'ai besoin de poster des vidéos, en direct ou pas, peu importe, sur des plateformes.
ces plateformes, elles se distinguent soit par leur puissance, leur rapidité de diffusion, leur rapidité de upload, c'est le chargement vers Internet. Et puis, la grosse contrainte, c'est le public. Il faut que le public le voit. Je pourrais trouver des plateformes, certes, plus économes, mais je ne suis pas sûr que le public y soit. Et ça, c'est un vrai problème. Et je te rejoins dans la réflexion, j'en discutais il y a 5-6 ans de cela avec une personne aussi de la French Tech, donc du milieu start-up Internet. Et je lui disais, écoute, en 92, l'Internet, c'était du CompuServe avec 2400 bauds, donc la bande passante vraiment minimale. À peine tu peux écrire une phrase. Et aujourd'hui, on travaille en giga, gigabit de bande passante. Et je ne parle même pas de Netflix et compagnie. Hein. Et je lui disais, écoute, je pense qu'on a créé un monstre. Les gens aujourd'hui ils se baladent dans la rue avec les téléphones portables. Tout à l'heure, quand je suis sorti de l'école, j'avais chargé ma voiture et je repartais. Il y avait les jeunes qui sortaient de cours ou qui ressortaient à l'extérieur. Ils avaient tous leur téléphone collé au nez. Alors, j'ai rien contre, hein. Moi-même, je regarde mon téléphone tout le temps. Il faut s'y habituer. Les gens, ils ont une telle consommation d'Internet. Pour moi, on a créé un monstre, très franchement. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir à ce niveau-là. C'est toi, tu fais des choix, tu es influenceur. Tu fais des choix, tu communiques sur tes choix. Tu fais des choix de plateformes. YouTube et LinkedIn sont assez bien placés pour moins consommer, ouais. Notamment. Hein. Oui. Et tu communiques là-dessus et tu fais des choix quand tu décides de faire de la vidéo ou pas de vidéo ou de faire de la captation ou pas, parce que tu sais que c'est intelligent. Tu ne penses pas que tu peux influencer beaucoup d'autres personnes? J'aurais du mal. Aujourd'hui, je n'ai pas une visibilité qui me permette de dire comme on peut en avoir à la télévision. On prend des émissions comme on peut avoir sur C8, pour ne citer que lui. Il a une telle audience, même si ses émissions sont à mon goût merdiques, non consommables. Mais lui, il a de l'audience, TF1 a de l'audience. Nous, sur Internet, on ne pèse pas très lourd. Je pense que les YouTubeurs, les YouTubeurs stars ou les Instagrammeurs stars, ils ont une influence, mais bon, elle est toute relative parce qu'elle se limite, dans le temps. Je prends un exemple d'ici de la région, Rémi Gaillard, je pense que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, on ne le voit quasiment plus. Alors, quand il fait une sortie, quand il fait une vidéo, bon, évidemment, ça fait un petit peu de buzz, mais il n'a pas du tout la même audience qu'il n'avait il y a 10 ans quand je l'ai connu sur Internet. Hein. Lui, je pense qu'à l'époque, il aurait eu de l'audience, mais bon, il a fait du comique. Du comique sportif. Bon, c'était pas mal d'ailleurs. Mais bon, est-ce qu'il lui a pensé à la consommation qu'il en faisait? J'en sais rien. Peut-être qu'à un certain moment, je vais me dire, non, écoutez, arrêtez la vidéo, ça consomme trop, limitez-vous à quelques SMS. Est-ce qu'on peut aller en retour? J'ai un doute. Hein. Après, ça dépend de quoi on fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait exactement, hein. Évidemment. Mais faire des visios, par exemple, chercher plus former des adultes en visio sans caméra, des deux côtés, c'est faisable. Et c'est sur des sujets. Mais c'est faisable, mais je trouve ça honnêtement dommage. Moi, j'aime bien regarder les gens dans les yeux.
Après, bon, c'est chacun son soi. Hein. Je trouve ça dommage. Tu vois, il y a des gens qui me parlaient beaucoup de podcasts. Et les podcasts, ben, c'est la même chose que la vidéo, mais sauf que c'est en audio. Ça consomme moins, je suis d'accord, mais j'ai pas la même interaction intellectuelle que si je regardais quelqu'un dans les yeux. D'accord. Les différentes formations que j'ai faites pour l'audiovisuel, elles sont passées beaucoup par les États-Unis, par YouTube. Donc, c'était en anglais, en américain, avec des fois des qualités diverses et variées. Mais si je n'avais pas eu les visages humains en face de moi, je ne pense pas que j'aurais facilement décroché. Alors que je parle couramment l'anglais. Ouais. Mais j'ai besoin de ce contact. Et, bon, c'était en plus, c'était pendant la période du confinement, tu vois. J'avais besoin de ce contact-là pour échanger avec les yeux, même si la personne ne me voyait pas, hein, peu importe. Mais moi, j'avais besoin quand même de voir est-ce que le mec, il me raconte des carabistouilles, est-ce qu'il sait de quoi il parle, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. D'accord. Alors qu'à la radio ou en audio pur, bon, on entend évidemment quand quelqu'un sourit ou quand quelqu'un pleure ou est agressif ou ceci, là, on l'entend en audio, hein, mais c'est pas la même chose. Oui, j'entends. Merci d'avoir pris mes questions, Gilbert. Mais c'est un plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre, les étudiants ou Johan, est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Non, il n'y a plus de questions. Donc, en résumé, je pense que la vidéo, elle aura encore beaucoup d'influence et elle sera, je pense, nécessaire dans les prochaines années. Si on ne prend pas en considération ce que Hélène dit au niveau écologique, au niveau responsabilité sociétale, pour moi, la vidéo a un impact. Alors, il ne faut pas en abuser, ça, je suis d'accord. Il ne faut pas produire la vidéo juste pour produire la vidéo. J'avais une fois fait un truc comme ça. C'est une anecdote. Hein. Dans la web radio, il y avait un soir, il y avait la super lune. Et donc, je l'ai filmé pendant 3 heures, sans rien dire. J'ai mis en ligne, en direct. Alors bon, ça a été... J'avoue, j'ai été méchant là-dessus. Je n'ai pas du tout pensé à la consommation de la planète. Et j'ai filmé ce montée de lune alors qu'il ne s'est passé strictement rien dans la rue de la radio. Et c'est juste parce que c'était dans l'axe. Mais c'est pour vous dire, essayez de faire de la vidéo utile, à moins que vous fassiez du divertissement. Mais là aussi, il y a de l'utilité. Mais faites-le pour une bonne raison. La raison, c'est votre message que vous voulez faire passer ou ce que vous souhaitez vendre. Donc voilà, si vous n'avez plus d'autres questions, moi, je vous propose de quitter cette réunion pour rejoindre les autres. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez clair, ni trop long, ni trop barbant, si je puis dire. Sur ce sujet de la vidéo qui est quand même très vaste, hein, il faut pas l'oublier. Donc je vous propose de rejoindre les autres et puis merci encore de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Au plaisir.